La minute des chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, on parle de Kilomètre Zéro, de Maud Ankawa. Ce livre raconte l'histoire de deux amies très différentes dans leur style de vie. Romane est médecin et Maëlle, directrice financière d'une start-up à Paris. Elle vit à un rythme effréné et sa vie se résume à son travail, un train de vie luxueux. Un jour, Romane demande à Maëlle de la rejoindre chez elle. Et là, au détour de la conversation, elle lui apprend qu'elle a un cancer. Elle lui demande également de partir pour le Népal, chercher quelque chose qu'elle a oublié lors d'un précédent voyage, et qui est une question de vie ou de mort pour elle. À contre-cœur, Maëlle accepte la mission et s'envole pour le Népal. Cette expérience sera bien entendu pour elle un véritable parcours initiatique. Tout au long de son voyage, dans l'ascension des Annapurna, elle va découvrir que la réalité n'est peut-être pas celle qu'elle croyait, et au cours de ses expériences, elle va apprendre à relativiser, à profiter du moment présent, à sortir de sa zone de confort, et surtout, à faire confiance aux autres. Ce livre nous fait voyager dans les magnifiques paysages du Népal et rencontrer des gens tous très différents, mais avec les mêmes qualités, l'écoute de l'autre, l'émerveillement pour des petites choses simples, et le plaisir de partager et d'être ensemble. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous a été proposée par Patricia.